Un poncif qu'on retrouve régulièrement dans les médias, c'est le suivant. Il y a cette idéologie qui nous vient des États-Unis, le wokisme. Une idéologie qui divise la société en plusieurs races. C'est une nouvelle forme de racialisme, comme les idéologies les plus sombres du XXe siècle. Ouais, en gros, ce serait quasiment le symétrique du nazisme. Les deux faces d'une même pièce, les extrêmes qui se rejoignent, tout ça tout ça. Sauf que c'est un parallèle extrêmement fallacieux. Et les gens qui font ce parallèle ne comprennent vraiment rien à ce dont ils parlent. Ou alors, ils sont consciemment malhonnêtes. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle de racialisme, on pense bien sûr au racisme biologique. Une idéologie qui considère qu'il y a des races qui sont génétiquement inférieures. Ils doivent donc occuper une position inférieure dans la société, voire être déportés ou exterminés. Une idéologie que tout le monde trouve moralement condamnable. Ou du moins, que tout le monde prétend trouver moralement condamnable, pour le moment. Oui, je suis très pessimiste concernant l'évolution des mentalités dans les 10 ou 20 ans à venir. La véranda d'Overton, tout ça. Bon, ça, c'est le racialisme de papy. Mais qu'en est-il du supposé racialisme woke ? Bon, le mot woke étant généralement utilisé de manière péjorative, je vais plutôt parler des militants de justice sociale. Une expression qui mettra à peu près d'accord les gens pour et les gens contre, il me semble. Dans la justice sociale, donc, il y a effectivement une notion de race, mais elle n'a rien à voir avec la race biologique. C'est ce qu'on appelle, plus précisément, la race sociale. Vous avez peut-être déjà vu le mot « racisé », un mot qui est souvent l'objet de moqueries, mais qui désigne un concept assez intéressant, en fait. Dans un pays occidental, une personne racisée, c'est une personne qui sera considérée comme non blanche par la plupart des gens, indépendamment des caractéristiques biologiques de cette personne. Bon, évidemment, une personne à la peau noire sera quasi certaine d'être racisée. Mais l'idée, ici, c'est de mettre l'accent sur la manière dont cette personne est perçue par la société, quand bien même cette perception serait erronée. Et ce que disent les militants de justice sociale, c'est qu'une personne racisée, une personne perçue comme étant d'une certaine race, donc, eh bien, cette personne pourra subir certaines discriminations liées à cette perception. Discrimination à l'embauche, discrimination au logement, violence policière, ouais, ce genre de trucs. Et donc, lorsque les gens disent que le wokisme divise la société en plusieurs races, ça repose uniquement sur ça. L'idée qu'on ne sera pas toujours traité de la même manière par la société, selon qu'on soit perçu comme blanc, noir, arabe ou autre. Ce qui n'est pas une idée incroyablement radicale et subversive, il me semble. Enfin, je sais pas, vous trouvez ça radical et subversif, vous ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, d'un côté, on a une idéologie selon laquelle il existe des races génétiquement inférieures. Et de l'autre, on a une idéologie qui dit qu'on ne sera pas traité pareil si on est perçu comme appartenant à telle ou telle race, et que ce traitement différencié est une mauvaise chose, qu'il faut combattre ou chercher à compenser. Et à la limite, on peut être en désaccord avec ça. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il ne faut surtout pas tenter de compenser ces disparités de traitement par de la discrimination positive, car ils estiment que cela aurait des conséquences très négatives. Mais il me semble qu'on devrait au moins être d'accord sur un point, c'est quoi le putain de rapport avec le racialisme biologique ? Ben, aucun, il y en a pas. Le seul rapport, c'est qu'il y a le mot « race » qui apparaît à un moment donné. Mais ici, le mot « race » désigne une construction sociale, qui est source de discrimination à combattre. Et il ne désigne certainement pas une réalité biologique qui, à l'inverse, justifierait ces discriminations. Et donc, le raisonnement fallacieux que font les intellectuels médiatiques spécialisés dans la dénonciation du péril woke, c'est le raisonnement suivant. Les woke, là, ils parlent de race, machin tout ça. Donc c'est du racialisme. Donc c'est pareil que le racialisme biologique des nazis. Un raisonnement, entre guillemets, qui implique de ne vraiment rien comprendre à ce dont on parle, donc. Ou bien de faire semblant de ne rien comprendre. Alors, mon but, ici, c'est pas de vous convaincre d'adhérer à la vision woke des races sociales. C'est juste de dire la chose suivante. Si on n'est pas d'accord avec cette vision, eh bien, il faut la critiquer avec de vrais arguments. Et pas avec un parallèle éclaté, en mode « Oui, j'ai entendu le mot race quelque part, donc c'est du racialisme, comme Hitler. » Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.